Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs, ce que je veux vous dire va vous surprendre, ce que je veux vous dire vous étonnera, ce que je veux vous dire, vous allez me prendre pour un fou. Et pourtant, moi je suis convaincu que c'est la vérité. La Russie ne veut pas terminer cette guerre. Attendez, je reprends. La Russie ne veut pas la fin de cette guerre. En Ukraine. La Russie veut continuer avec cette guerre. C'est surprenant. Hein? Quand Poutine dit la diplomatie, négociation, oui, il veut des négociations, mais vous allez voir les négociations, les conditions qu'il va poser. Les négociations, les conditions que l'Ukraine va poser. Et plus on est en train de négocier, plus la guerre est en train de continuer, plus la Russie continue à grignoter du terrain. Petit à petit, elle ne prend pas beaucoup, elle prend un peu selon tout. 1 km par jour, 2 km, 10 km par jour. Oui, si vous prenez 1 km² par jour, en 10 jours, ça vous fait 10 km². En 20 jours, vous avez 20 km². En 30 jours, vous avez 30 km², c'est plus que le territoire. Hein? On peut mettre plus d'une ville, un village, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça, petit à petit, grignote. Après, elle va se retrouver avec 100 km², 200 km², 300 km², 500 km², 1000 km². Pourquoi la Russie ne veut pas terminer cette guerre? Ben, c'est là où la question se pose. Pourquoi? Mais parce que la guerre l'a fait du bien à la Russie maintenant. Contrairement à ce qu'on pensait, cette guerre, elle fait trop de bien à la Russie. Je vais vous dire pourquoi. Depuis le commencement de cette guerre, la Russie qui était la 11e puissance économique mondiale, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et aujourd'hui, la 4e puissance économique mondiale. Vous savez à cause de quoi? À cause des sanctions. Donc plus les sanctions vont continuer là, plus la Russie va économiquement grandir et évoluer. La Russie en ce moment est en train de se battre pour prendre la 3e place qui est occupée actuellement par l'Inde. La Russie est en train de grignoter cette 3e place là. Elle est en train de leurner cette 3e place. Et quand elle va prendre cette 3e place, elle va attaquer la 2e place, celle des États-Unis. Si l'Inde n'arrive pas à détrôner les États-Unis avant, parce que l'Inde aussi veut prendre la 2e place. Hein. Les prédictions scientifiques, hein, leurs prédictions, ils disent que l'Inde pourra être la 2e puissance dans 5 ans, en 2050. Moi, je pense qu'avec l'accélération de la dédollarisation, ça peut aller encore plus vite. La Russie ne veut pas terminer cette guerre parce que cette guerre a consolidé ses relations avec la Chine, qui est le géant économique mondial, la première puissance économique du monde. Donc la Russie n'a pas intérêt à ce que cette guerre s'arrête. Au contraire, la Russie veut que ça continue. Parce qu'entre-temps, elle est en train de prendre du terrain. Et de l'autre côté, elle, économiquement, elle est en train de grandir, d'évoluer. La Russie est en train de détruire l'économie française. De détruire la France. D'affaiblir l'hégémonie française, la puissance française. Voilà ce qui est important, les amis. C'est pour ça que les Russes n'ont pas intérêt à ce que cette guerre se termine très vite. Non. Pourquoi voulez-vous que ça se termine vite quand c'est bénéfique pour vous? Pourquoi? Soyons sérieux, même vous-même, attends vous-même. Ce n'est pas possible. Les Russes aujourd'hui pensent, ont tout intérêt à ce que ça continue. Les Chinois, c'est pareil, c'est la même position. Les Chinois veulent que cette guerre continue, vous savez pourquoi? Parce que cette guerre, plus elle est en train d'avancer, plus on est en train, le monde entier est en train de découvrir le talent d'Achille de l'OTAN. Que ce n'est pas une puissance. Que le G7 ne vaut rien du tout.
Ce sont des criminels qui vivaient au-dessus de leurs moyens en martyrisant d'autres populations, d'autres pays. Cette guerre-là, c'est une guerre révélatrice. La guerre-là a mis à nu les puissances occidentales, toutes les puissances occidentales, à commencer par les États-Unis elles-mêmes. Eh oui. Les États-Unis sont un visage découvert. Ils n'ont plus rien à cacher. Ils ne sont plus la première puissance, ni économique, ni militaire du monde. Qu'ils sont à court de munitions. Et les États-Unis ont des difficultés maintenant pour s'occuper de leur armée à l'étranger. Les États-Unis vivaient du dollar. Cette guerre est en train de détruire le dollar américain. Les sanctions, là, ça y est en train de détruire le dollar américain. Ça, c'est pas moi qui le dis. Janet Yellen, là, hein, la secrétaire d'État au Trésor américain, le dit. Que nous devons nous méfier avec les sanctions. Elle est en train de dire arrêtez avec ces sanctions. Parce que ces sanctions sont en train de détruire notre économie à travers le dollar. Cette guerre est très utile pour la dédollarisation du monde. Eh oui, c'est à cause de cette guerre que des pays comme l'Arabie Saoudite aujourd'hui peuvent dire aux États-Unis, je ne renouvelle plus le contrat avec vous sur le pétrodollar. Non, nous n'avons plus besoin de ça. On ne va plus vous soutenir. Et c'est ça, ce sont les circonstances. C'est ça les conditions. Ce qui montre justement que la Russie n'est pas comme les autres. La Russie n'est pas un pays comme tous les autres. La Chine a compris ce jeu. Pour la Chine, et tant que cette guerre va continuer, l'Amérique va s'affaiblir, l'OTAN va s'affaiblir sur le plan économique et sur le plan militaire, et ils n'auront pas les moyens de faire la guerre contre la Chine via Taïwan. L'Amérique ne peut pas faire une deuxième guerre. L'OTAN ne peut pas faire une deuxième guerre en Taïwan. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, pour les Chinois, ben, plus cette guerre continue, plus le dollar est en train de s'affaiblir, plus l'Amérique est en train de tomber, plus l'OTAN est en train de disparaître, de mourir, et plus les BRICS sont en train d'évoluer. Et les BRICS sont sous contrôle de la Chine et la Russie, et puis un peu l'Inde. Les BRICS, c'est d'abord ça, la Chine et la Russie. Donc, pour les intérêts chinois et russes, il vaut mieux que cette guerre continue. Pour leurs intérêts. Parce que là, ils ont découvert le point faible, le talon d'Achille des pays de l'OTAN. Ils ont découvert ce talon d'Achille. Maintenant, ils savent que les pays de l'OTAN, on peut les vaincre. On peut les vaincre en Afrique. On peut les vaincre chez eux-mêmes. On peut les vaincre militairement. Et entre-temps, je veux vous faire savoir, la Chine ne fait que construire des navires de guerre. La Chine va bientôt avoir plus de navires de guerre que les États-Unis. Et puis des navires de guerre, pas n'importe lesquels. Très, très, très puissants. Plus puissants que les navires de guerre que les Américains ont, parce que les navires de guerre américains, là, ils sont dépassés. Ça fait plusieurs années, cette technologie-là, elle est dépassée maintenant. Elle est dépassée. Oui, donc, pour moi, je pense que la Russie n'a aucun intérêt à ce que cette guerre se termine vite. La Chine, pareil. Parce que quand on va sortir de cette guerre, surtout si Trump n'est pas réélu plutôt, imaginez que Kamala Harris prend le pouvoir. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire la folie de Biden. On va encore multiplier les sanctions, on va encore continuer la guerre. Ok, très bien. Mais on va encore faire quoi? S'affaiblir. Personne ne vous parle du dollar actuellement aux États-Unis. Je reprends. Aux États-Unis, d'ici là, personne ne vous parle du dollar. Mais le dollar est la clé du développement de la force, de la puissance américaine. Ce n'est pas les armes. L'arme nucléaire, tout le monde a l'arme nucléaire. Aujourd'hui, en cas de guerre nucléaire, c'est tous les pays occidentaux là, qui vont disparaître. Eux, ils vont envoyer en Russie, en Chine. La Chine et la Corée du Nord, la Russie vont envoyer chez eux. Donc, forcément, ils vont faire, ça va faire des dégâts incommensurables, incontrôlables. Donc, ce n'est plus la force militaire. Aujourd'hui, le monde, la puissance, c'est la puissance économique qui est importante. Si vous êtes économiquement puissant, vous êtes important. Si vous n'êtes pas économiquement puissant, vous ne valez rien. On s'en fout de vous.
Et plus cette guerre perdure, plus la Russie monte, la Chine s'enrichit, plus le pays de l'OTAN, le G7, est cassé, bousillé, détruit. Le dollar est en train de disparaître. Et quand le dollar disparaît, l'euro va disparaître avec le dollar. La dédollarisation là, entraîne aussi la disparition de l'euro. Les deux en même temps. C'est pour ça que vous voyez maintenant des pays comme l'Italie, la Turquie, solliciter leur entrée dans les BRICS à cause de cette guerre. Cette guerre a révélé les faiblesses d'un système international qui a trop duré et qui a toujours martyrisé les plus faibles d'un système de la jungle. C'est terminé. La récréation est terminée. Dire cela, c'est citer à la haine ou à la violence. Non, il y a bas colère, vieille malheur. Mais encore une fois de plus, bien mes frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres ici. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité et par nos ancêtres ici. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assure.